Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu encore pour ce moment favorable que l'Éternel nous a permis d'écouter sa parole. Nous sommes bénis encore ce matin, cet après-midi. Et sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler dans les livres de Deutéronome. Deutéronome 28, chapitre 1, verset 1. Nous allons essayer un peu encore aujourd'hui de partager ces messages. Bien, mais nous devons savoir dans la vie, nous devons savoir une chose, il y a toujours des conditions. Pour avoir un permis de conduire, il y a des conditions. Pour avoir des enfants, il y a des conditions. Pour être licencié, pour être directeur, il y a des conditions. Bien aimé, chaque chose a ses conditions. Et si tu vois ainsi devant une phrase, il faut faire beaucoup d'attention. Parce que le si a beaucoup de choses. Le si a beaucoup de questions. Le si a beaucoup de préventions. Aujourd'hui, nous allons voir, nous allons lire Deutéronome, chapitre 28. Nous lisons. La Bible a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je me limite là. Bien, mais nous devons savoir avec Dieu, nous avons aussi des conditions. Pour avoir la vie éternelle, pour accéder, il y a des conditions. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien, mais pour être béni, il y a aussi des conditions. Beaucoup de gens veulent respecter les conditions de ce monde. Beaucoup de gens veulent respecter d'autres conditions. Et ces gens-là veulent aussi la bénédiction. Mais aujourd'hui, Dieu parle dans Deutéronome. Il dit, si tu obéis, donc pour avoir la bénédiction, il y a des conditions. Si tu veux avoir la supériorité dans ce monde, sur la terre, il y a aussi des conditions. Parce que beaucoup de gens déclarent, c'est bien de déclarer, oui, je suis la tête et non la queue. Oui, je suis en haut, mais non en bas. Mais nous devons savoir, si seulement si tu obéis à la voix de l'Éternel, si seulement si tu obéis à la parole de Dieu, si seulement si tu obéis à la volonté de Dieu, que tu verras toutes ces choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que c'est des conditions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de Dieu, oh, tu obéis à beaucoup de choses. Tu obéis peut-être aux lois de ce monde. Tu obéis peut-être à d'autres choses. Tu es docile. Tu es tenté d'obéir à ton mari. Tu es tenté d'obéir à ton patron. Tu es tenté d'obéir aux gens de ce monde. Mais tu veux avoir la bénédiction. Tu veux avoir l'élévation. Tu vas voir les percées, tu vas voir la gloire. À ce qui concerne Dieu, bien aimé, tu dois obéir. Alléluia. La bénédiction là, vient si tu obéis. La Bible dit, si tu obéis, c'est la condition que Dieu donne. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu peux aller à l'église, c'est bien. Tu peux chanter pour le Seigneur, c'est bien. Tu peux prêcher la parole, c'est très bien. Mais la condition pour avoir la vie éternelle, pour avoir la supériorité, la première, c'est l'obéissance. Parce que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup de gens se sacrifient dans des gènes. Beaucoup de gens se sacrifient matin, midi, soir. Allez prier. Peut-être tu pries cette fois. Mais des gens n'obéissent pas à la voix de l'Éternel. Ce qu'il est en train de faire ne correspond pas à la voix de Dieu. Ce qu'il est en train de poser ne correspond pas à la voix de l'Éternel. Bien, mais c'est difficile pour avoir la bénédiction dans ta vie.
Bien, mais c'est compliqué pour avoir la supériorité sur cette terre. Bien, mais tu seras et tu verras toujours des complications dans ta vie. Parce que tu es en train de sacrifier. Tu es en train de faire des sacrifices, mais l'obéissance n'y est pas. Tu n'obéis pas à ce que Dieu dit. Le sacrifice est bien, mais le sacrifice doit marcher de pair avec l'obéissance. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, l'obéissance est mieux. L'obéissance est très importante. L'Église, nous devons obéir à Dieu. Au peuple de Dieu, nous devons obéir. Nous devons obéir à la voix de l'Éternel. La Bible dit, lorsque tu attends ma voix, n'endurcissez pas ton cœur. Dieu parle tantôt d'une manière. Peut-être que Dieu t'avait parlé, mais tu ne veux pas obéir. Peut-être que Dieu t'avait envoyé, mais tu ne veux pas le faire. Peut-être que Dieu t'avait orienté, mais tu es en train de faire les sourdes oreilles. Tu dis non, moi je ne le ferai pas. Ah, moi je suis fatigué. Ah, moi, ce qui concerne ces choses, ah, moi, je ne peux pas. Ah, je vais faire ça après. Tu es en train de renvoyer toujours des choses après. De la même manière, tu renvoies à la bénédiction. De la même manière, tu es en train de repousser d'autres choses. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons obéir à la voix de l'Éternel. Alléluia. L'obéissance. Bien-aimé, la deuxième chose, Dieu dit encore, ton Dieu, si tu obéis, en observant, observez la parole, observez la voix de Dieu, observez tout ce qui est bien, observez ce que Dieu t'a dit. Parce que beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens aiment Dieu, mais les gens-là ne veulent pas observer la parole de Dieu. Beaucoup de gens vivent, mais ils ne vivent pas selon la parole. Oh, la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que je suis en train d'observer. Dans chaque chose, j'observe la parole de Dieu. Je suis en train de regarder la parole. Je m'assois dans la parole. Je vis dans la parole. J'agis dans la parole. À chaque chose, j'observe la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole déclare? Je vais faire quoi selon la parole de Dieu? Alléluia. Parce que Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Bien, mais toutes choses, nous devons conformer à la parole de Dieu. Nous devons faire la volonté. Nous devons observer ce qui est écrit. Bien, mais parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Nous devons observer qu'est-ce que la parole déclare. Nous devons observer comment Christ a marché. Nous devons observer ce que Dieu nous demande. Nous devons observer ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Oh, beaucoup de gens veulent satisfaire les autres. Tu veux maintenant satisfaire le monde, mais tu ne veux pas satisfaire Dieu. Bien-aimé, à ce qui concerne la bénédiction, pour avoir la supériorité, pour être la tête, pour ne pas être la queue, bien-aimé, il y a des conditions. Tu dois respecter les conditions. Tu dois respecter ses engagements. Tu dois respecter tout ce que Dieu a prescrit afin de vivre la main de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit « La main de l'Éternel n'est pas trop courte. » Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que nous n'obéissons pas. C'est parce qu'on n'observe pas. C'est pourquoi nous sommes victimes. Les gens viennent nous manipuler. Nous sommes victimes parce qu'on n'observe pas la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il y a un problème, tu es paniqué, tu as des palpites, tu es stressé, tu es en train de craquer parce que tu n'as pas observé la parole. Mais lorsque Pierre avait écouté la parole, il a dit à Christ, je jetterai les filets, sinon à ta parole, je jetterai les filets à cause de ta parole. Parce qu'il avait compris. Il a observé la parole. Il a d'abord obéi et il a observé. Qu'est-ce que Christ a dit? Je veux jeter le filet parce que c'est la parole qui a dit. Je veux faire la volonté de la parole de Dieu. La Bible a dit la troisième chose. Et en mettant en pratique tous ces commandements, si tu mets en pratique tous ces commandements, c'est ainsi que tu verras des choses accomplies dans ta vie. Aussi longtemps, tu prends la parole, tu regardes la parole, mais tu les mets en stand-by. Aussi longtemps, tu connais la parole. Aussi longtemps,
tu sais la parole, tu connais Christ, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, tu le connais, mais tu ne veux pas le faire. Bien aimé, c'est difficile pour avoir une bénédiction de l'Éternel. La Bible dit en mettant en pratique. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est la pratique. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Bien, mais la parole de Dieu, la Bible dit le royaume ne consiste pas en parole, mais le royaume des cieux consiste en puissance, en puissance. Bien aimé dans le Seigneur, la puissance demande le travail. Pour avoir la puissance, il faut travailler, il faut des choses, il faut poser des actes. Des actes, bien aimé. Oh, la Bible dit, mettez en pratique. Pratiquer tout ce que tu es en train de parler. Il y a aussi des gens comme, on prêche la parole, mais on ne pratique pas la parole. Il y a des gens qui sentent, mais ils ne pratiquent pas des cantiques. Bien, mais Dieu nous demande, ce matin, ce soir, d'obéir la première, d'observer et de mettre en parole. Tu obéis, c'est bien. Tu aimes Dieu beaucoup. Tu donnes beaucoup à Dieu. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Oh, l'obéissance n'y est pas. Tu fais beaucoup de sacrifices, mais tu n'obéis pas, tu ne mets pas en pratique la parole, tu n'observes pas cette parole, bien aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas la tête, tu ne seras pas en haut, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les magiciens, mais c'est Dieu qui parle, si tu obéis à la parole, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoûté, mais c'est Dieu qui parle, si tu obéis à la parole, si tu obéis à la parole, et tu mets en pratique, tu observes la parole, voici ce qui va t'accompagner, tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et non en bas, tu seras béni de toutes sortes de bénédictions. Personne ne peut contredire la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Si tu obéis, la bénédiction sera ton partage. Oh, il se répandra sur toi et qui seront ton pas lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel. La Bible dit, tu seras béni dans la ville ou tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huile seront bénies. Tu seras béni de ton arrivée. Tu seras béni de ton départ. Bien aimé, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu a citées. Laisse-moi te dire, tu as beaucoup de bénédictions. Laisse que tel que tu es là, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, si tu prends seulement l'engagement, aujourd'hui, si tu prends la décision d'obéir à Dieu, d'observer la parole et de mettre en pratique la parole de Dieu, regarde toutes les bénédictions qui viendront. Tes enfants seront bénis. Toi-même, tu seras béni. Personne ne va compliquer ta vie. Personne ne va te retenir. Personne ne peut te bloquer parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh yes! Personne ne peut bloquer ton mariage. Personne ne peut te bloquer pour avoir la vie éternelle. Personne ne peut te bloquer pour ne pas avancer. Parce que Dieu est avec toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Aujourd'hui, si tu obéis ma sœur, aujourd'hui, si tu obéis mon frère, ça fait longtemps que tu as entendu. Ça fait longtemps que Dieu t'a parlé. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, obéis. Ça fait longtemps que Dieu t'a parlé. Tu as beaucoup écouté des prédications. Mais observe maintenant. Toi qui t'as en foutais, tu disais, ah, ce n'est pas mon problème. La parole là, ça ne me concerne pas. Observe la parole. Et toi qui as observé, peut-être tu dis, je le ferai après. C'est le moment. Mets en pratique et tu seras béni de toutes sortes de bénédictions. Oh yes. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour quelqu'un. Père, nous te bénissons éternel et tu. Yahweh, bénis mon frère. Bénis ma sœur.
Que le Saint-Esprit puisse te fortifier afin d'obéir à la parole, afin d'observer la parole et de mettre en pratique la parole de Dieu pour plaire à notre Éternel. Soyez béni de toutes sortes de bénédictions. Que la grâce et le bonheur puissent t'accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle maintenant la stabilité. J'appelle la réussite dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, soyez bénis, à la prochaine. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactole TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Ebenezer Ministry vous recommande de prier sans cesse, car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Adassa, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne. Tous les jours, les premiers cultes, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et les deuxièmes cultes, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées de prière sont programmées chaque samedi, de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession, du lundi au vendredi, de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites les 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique, faites les 0032 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites les 001 209 255 1000. Vos appels partent de la France, faites les 0033 1 78 90 03 32. Depuis la Hollande, ce sera les 0031 635 205 040. Les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50. Pour l'intercession, les 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, les 14 40 99. Pour toute information, allez sur 3xw.mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 0031 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur des dieux, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, les cœurs de Dieu. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province de Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu,
Des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benukwen na bwala ku tala babuti to ku sala makambo. Kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites-les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Nazobinga bino, boleka na Partol TV, poete totombola lisusu, Yesu oyo abenga biso. Ne zappez pas, ne change pas la télé, c'est Partol TV. Je vous invite, que Dieu vous bénisse. Oh Nathalie, c'est nous, Jésus, consolateur Yamité. La vie ici sur Terre n'est toujours pas facile avec ceux qui nous entourent. Elle devient parfois un calvaire sans la présence de Dieu. Votre vie a été brisée, la mienne aussi. Alors, il faut que ça change. Il faut que ça change. Une émission de la prophétesse Grace Betty Jemima pour vous redonner confiance et passer de la souffrance à la bénédiction, de la souffrance au pouvoir. Car elle-même a connu les situations les plus ignobles et malheureuses de la vie. Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer. Venez pour en parler avec moi sur les plateaux de Pactol TV. La prophétesse Grace Betty Jemima a été sauvée grâce à l'apparition visuelle de Jésus-Christ dans sa vie. Elle veut que Jésus-Christ entre dans la vôtre pour que ça change. Il faut que ça change dans votre vie pour que Dieu soit glorifié. Il faut que ça change. C'est sur Pactol TV, la chaîne chrétienne et de la fiction africaine, la chaîne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel des confiances. Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer. Pactol TV, la chaîne chrétienne et de la fiction africaine. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV.